Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte des jeux du full set Wii. Aujourd'hui nous allons faire le Terraria, un jeu 505 games. Donc le service Miiverse n'est plus disponible, les fonctions Miiverse intégrées au logiciel ne peuvent désormais plus être utilisées. Merci Nintendo. Voilà. Donc jeu qui peut être joué avec tout, tablette, manette, Wiimote, plus Nunchuk. Terraria, un jeu qu'on retrouve sur toutes les plateformes. C'est un truc qui s'est été. Voilà. On a vu partout. Que j'ai jamais essayé. Alors si j'ai bien compris, c'est une sorte de Minecraft. Ouais, c'est. D'accord. Ok. Je m'en fous. J'ai jamais été un fan de. Moi, si vous mettez une fonctionnalité de modification des personnages, je sais qu'il adore ça. Il y en a qui adorent ça. Moi, je ne dis pas. Je vais une chute. Ah pardon. Ok. Ok. On va l'appeler monde parce que c'est original. Alors si c'est du Minecraft, je vous dis tout de suite, ça va pas durer longtemps cette découverte parce que je suis vraiment pas fan de ce genre de jeu. Minecraft, d'ailleurs je l'avais testé hein, sur la Wii U, j'ai rien compris. Vous pouvez supprimer des torches avec B. Le gobelin bricoleur rencontré dans les grottes souterraines vous vendra des objets utiles, notamment un atelier de bricoleur. Ah. Vous pouvez planter des glands pour faire pousser des arbres, des chênes donc. Par défaut, L est une alternative au bouton de saut. Les joueurs expérimentés souhaiteront peut-être changer le grappin et alterner. Les cristaux de vie sont dissimulés dans le monde. Utilisez-les pour augmenter votre santé. D'accord. Donc il y a un mec dans une grotte, il y a des cristaux de vie. Vous pouvez modifier votre point d'apparition en plaçant un lit en l'utilisant. D'accord. Si vous stockez vos pièces dans une maison, vous aurez moins de chances de les perdre. D'accord. On a des petites astuces. Les meilleurs sorciers utilisent des fleurs de mana. À savoir, vous pouvez récolter des toiles d'araignée et en faire de la soie. Vous pouvez utiliser la soie pour fabriquer des vêtements de vanité ou un lit. Les autres joueurs peuvent également piller vos coffres si vous ne leur faites pas confiance, utiliser un coffre fort ou une tirelire. Ces objets offrent un stockage. Il vous faut des munitions dans votre emplacement. Munitions pour vos arcs et armes à feu. What the fuck? C'est qui les villes? Il m'a parlé d'une grotte et il y a une grotte là. Pièce de cuir, d'accord. On voit rien. Y'a un coffre. C'est quoi? Quoi utiliser? X. Ah ouais, donc mon inventaire il est mon inventaire vous le voyez pas en fait, il est j'ai un couteau, j'ai des lingots de cuir, j'ai des shurikens, j'ai des potions de rappel, enfin bref j'ai plein de trucs. Par contre j'arrive pas à ouvrir ce putain de coffre. Quoi ça? Allez. Ah, putain. Pièce de cuivre. Et ça, ça me casse. Ça m'énerve de ne pas pouvoir. Oh, champignon. Alors je vais essayer de. Non.
Ah, ça y est. Je peux creuser. Je sais pas pourquoi j'ai envie de creuser par là. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi j'ai envie de creuser par là. J'ai envie de creuser par là. Je sens qu'il y a un truc par là. Non? Il y a que dalle par là. C'est une idée de merde. C'est une idée de merde. Est-ce que je peux creuser là-haut? J'essaie de monter. Vous avez tous compris ce que j'essayais de faire. J'essaie de remonter pour aller chercher cette pierre. Allez. Les blocs de terre, des blocs de fer. C'est la barre le père. Et ça c'est quoi là, le verre? Ça me sert à quoi tout ça? Bah, je suis en train de les accumuler en fait. Comment je remonte? Ah, dégage. Creuser. X. Inventaire. Oh. Alors les menus sont... les menus sont relous. Non, ça marche pas. Les menus sont très relous. Elle est où, moi? What? J'ai plus mon épée? Ouais. J'ai plus mon épée. Qu'est-ce que ce bordel? Alors, artisanal. Un établi. Il me faut 100 pierres pour faire un établi. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, il me faut un établi. Mais comment je fais un établi? Bon, par contre, on est d'accord que j'ai réussi à perdre mon... j'ai réussi à perdre mon épée, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait. Putain, ça craint. Mais merde! Est-ce qu'il l'a pris, là? Ah, j'ai des trucs là. Pourquoi il a pris ça si... Ok, j'ai compris. J'ai compris, sauf que j'ai perdu mon épée dans l'affaire. Ok, bah c'est cool hein. Équipé. Et du coup, est-ce que j'ai les shurikens? Non, t'es sérieux? Ouais, en fait, du coup, j'ai dû perdre mon épée par là. Hein. Faut que je la retrouve. Ah putain. Elle est où mon épée du coup? Merde. Je la vois pas. Ça, ça craint quand même. Je peux descendre, hein?
Alors, on peut... Ok, je peux casser, mais... J'ai pas trouvé comment... Ah, ça, c'est de l'argile. Ok. Champignons. Oh, y'a un coffre là. Ah, y'a plein de trucs dedans. Ok. Ah, y'a des trucs dedans. Ah, vous pouvez pas le voir, mais y'a des trucs dedans en fait. C'est quoi? Un bâton lumineux. Du lingot de fer. Une bouteille. Ok, il y a des choses dedans. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un... C'est quoi ça? C'est du fer. Sur la screen, là. Alors, depuis tout à l'heure, je... Il y a une espèce de quadrillage sur le... Par contre, on voit rien. Ah, mais si j'utilisais un... Ça, c'est quoi? Ok. Il les a lâchés, ce con. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de... Ok, on peut péter des trucs... Mais on peut pas construire, en fait. C'est pas comme Minecraft. Minecraft, on peut construire... On voit rien, là. Putain, je suis tombé, je sais pas où, là. Il y a des trucs, là. C'est quoi, ça? Là. Merde. Ah, je fais nappe, là. Je fais nappe, c'est la merde. Je croyais avoir des trucs pour éclairer, mais apparemment, non. Ok, donc on va se barrer, hein, parce que je vois rien du tout, là. Et je les ai laissés là-haut, les trucs, là, forcément. Putain, c'est quoi, ça? Je vais jamais pouvoir remonter, là. Ouais, c'est la merde. Bon, je suis vraiment pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan. Vous aurez pu voir un peu ce que c'était. Il y a pas mal de trucs à faire, je suis sûr. Hein. Mais moi, c'est vraiment pas mon délire de jeu. Ce qui est très bizarre, c'est que contrairement à Minecraft, même dans le menu, là... Oh, la merde, je suis tombé. Oh, bah là... Ah, il y avait de la toile d'araignée. Dommage, on voit rien. C'est dommage, on voit rien. Bon, on voit rien. Et j'ai pas de quoi éclairer. Bah, du coup là je suis dans le noir, je suis perdu. Et dans l'inventaire j'arrive pas à trouver grand chose en fait. Hein. Artisanal. J'arrive à rien faire. Je pourrais faire de l'eau, je crois. Je n'ai pas les trucs. Ah, ZR. Arc en bois. Jambière de bois. On peut construire plein de trucs, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'on peut construire des blocs comme on le fait dans Minecraft. Enfin bref, on va s'arrêter là, j'espère que vous avez kiffé cette découverte plus que moi, parce que moi j'avoue, c'est vraiment pas mon délire. En plus, ce jeu, on le retrouve, je le dis, sur toutes les plateformes, c'est un truc de fou, je crois qu'il est même sorti sur Vita. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos à l'avance, et nous on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde.